Je sais pas ce qu'on va prendre, peut-être prendre un arc. Ok, on va peut-être prendre un gant. Ok, on va peut-être prendre une baguette. On joue avec pas mal de joueurs chinois ici. Et on joue avec notre ami finlandais. C'est là qui était là. Ça c'est un joueur chinois, ça c'est chinois, ça c'est un joueur chinois, ça c'est un joueur chinois je pense. Parce que sur le PBE en fait, on peut jouer avec des gens de tous les serveurs. Et les joueurs chinois sont quand même plutôt bons sur le PBE à chaque fois qu'on joue contre eux, donc c'est cool. Et j'ai un bon MMR sur le PBE. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on joue, donc on joue jamais contre des first timers quoi sur le PBE. Est-ce que Staren sera dans le pass? Bah je pense ouais. Je pense carrément. Baby Cannon. Merci 61. D'avant 61. Et merci Da Storm pour le resub. Merci les gars. Ok. Et du coup, ils ont remis l'ancien système au niveau des objets de chat. Hein. Normalement, vous avez dû le voir. Parce qu'on avait prévu un autre overlay, un gros taf de géographique. Comme vous le voyez, avait prévu cet overlay là. Avec le décalage des objets et tout. Et finalement, ils ont remis l'ancien. Qui est beaucoup mieux, hein, pas smito. Pas smito. Genre, j'étais prêt à m'habituer, mais j'étais. Et ils ont changé pas mal de trucs, alors vous inquiétez pas. J'ai suivi tous les changements, j'ai été assez rigoureux, même un petit peu hier soir. Pour essayer de bien tout comprendre. Oh, j'ai pas envie de Kennen. Je m'en fous de Kennen, je préfère avoir des paires potentielles. Et Ah! Ah, mais j'ai un zap quoi! Là, je crois que j'ai un opening keeper mage et tout là, non? Je peux pas le prendre lui. Je peux pas le prendre, j'ai un zap. J'ai pas de gants, j'ai pas d'arc, j'ai pas de BF. Je pense que c'est une dead end. Aucune raison de pas le prendre. Bah, je crois si. Vous l'auriez pris ou le chat ou pas? Oh là là, ça c'est lourd par contre. Rakan a été bien buff en plus. Hein. Wow. Après j'ai... Oh j'ai Kalista en dueliste mais... Ah je dois garder ce Rakan. Je pense que là on a une tendance à partir mal. Il y a cultiste aussi mais... Wow. Ok. Mais là les trois mages c'est sûr. Balala. Après on peut jouer cultiste mais c'est moins fort. Cultiste serait... Non, je pense qu'on va tranquillement faire ça. Par contre, Zap, je suis pas sûr. C'est pas bien sur Annie. Quoi qu'on va faire avec ça? Mais ouais, Rakan est vraiment trop fort maintenant. Genre, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais. Non, mais vraiment, c'est un vrai problème. Faut prendre le Jarvan. Ouais, je vais vendre la. Vladimir, je pense. Ah, Nick a pas le temps de cast, merde. Je pense qu'on perd sur ça du coup. Si Annie cast, elle tank au moins 3, 4, 5 auto-attaques de Wukong. Dommage. Ouais, on gagne peut-être sur ça. C'est ok. Mais là, on a du Elderwood et tout. Hein. On a du Elderwood. Ça me bat. Paire de Jarvan, paire de Lulu, paire de Rakan, on a déjà Maokai. Peut-être ça aurait été Zapdiff. C'est pas mal, ouais. Rakan 3, Shojin à l'ancienne. Rakan est vraiment... En fait, il est frustrant comme champion. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... Il a son ulti de LoL, quoi. Merci, Kiwi Wesh, pour le 10e mois. Qui dit bonne chance pour les Worlds. Merci, c'est gentil. On a le temps encore. Là, c'est à la cool. Hein. Pas de pression. Merci, RedPickPick, pour le 2e mois. Et Morning Star Summer, merci pour le 5e mois. Et Steve, merci pour le 5e mois. Merci beaucoup à tous pour le soutien. Et Kirio, bienvenue à toi. Merci pour ton Prime. Du coup, les objets seront à nouveau visibles. Ouais, normalement, ils ont tout remis à l'ancienne, quoi. Ah, on perd contre des Wukong. C'est ok. C'est des good loss. Some good loss. Faut réfléchir aux objets, là. C'est vrai qu'à part Zap, j'ai pas grand-chose à faire. Mais en même temps, Zap Annie, ça me...
Oh, Lulu 2, putain, c'est huge, ouais. Badabadabad. Je suis en train de comprendre quel item. Pour moi, c'est Kalis ici, mais. Pour moi, c'est Kalis ici. Merci, Pazengan, pour le resub. Toujours la méta où il faut slam beat. Ouais, globalement, ouais. Clairement. Genre, slam des objets, ça te permet d'économiser des HP. Genre, là, il y avait vraiment un tout petit monde où je faisais pas zap et je l'ai fait donc. Parce que là j'ai en fait j'ai touché très vite des paires et tout et. Je pensais que j'allais me faire exploser en vrai, mais les gens étaient faibles dans le lobby. Du coup on a dit Kalis 3 goals, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, sinon, je prends une autre baguette, je pense, tant pis. Rabadon, loquette. Après, il y a ceinture, sera toujours utile à Morello. C'est ceinture ou armure, peut-être. J'aurais besoin d'une ceinture, je pense. 518 HP, ouais, c'est les gens qui sont à mon avis en open fortune. Ouais, open fortune, et lui. Il joue Turbo Echo. Nunu. Il coûte un peu cher le Nunu. Mais il donne Elderwood à un champion level 2. C'est pas mal, hein, ouais. Sinon, je mets les deux là. Mais j'ai pas une paire. En fait, j'ai pas une paire ces paires là. Ça, c'est beaucoup trop fort. Peut-être que je vais devoir vendre Jarvan, non, ouais. Sauf pour le tryhard, de ouf. Ça fait chier, ça. Surtout Jarvan fait chier. Rakan, il est vraiment bien, mais. Je pense que Jarvan, il doit dégager. Malheureusement. Parce que j'ai Nunu. On va voir. Ça fait quoi, Dragon Slayer? Dragon Slayer? C'est que c'était pas Dragon Slayer. Dragon Soul, peut-être, non? Tu parles de ça? Oh! C'est un bon mid-game, ça! C'est un bon mid-game, ça! Vas-y, j'ai envie de le tester. On le joue jamais, Vlad. En plus, je suis one-off de cultiste, hein, ouais. Dragon Soul, en fait, ce que ça fait, c'est que. J'ai peut-être dû mettre Zap du coup à l'avenir. C'est en gros, en fait, la première unité qui se fait attaquer, qui est Dragon Soul, devient possédée par le pouvoir du dragon. Elle fait plus de dégâts, elle attaque plus vite. Et elle met une giga attaque toutes les 5 attaques, si tu veux. Et si elle meurt, elle le donne à son copain qui est le plus proche, quoi. Bon, bah, du coup, on va commencer à vendre des trucs, hein. Tant pis. Ok. C'est déjà la 2 gratuit. Bah là, du coup, j'ai toujours mes 3 mages. Mais tout à l'heure, là, j'étais en train. Depuis tout à l'heure, je suis en train de pivoter autour de Lulu avec Rakan, Nunu et tout. Sauf que là, le jeu m'a fait un peu plus pivoter vers Vladimir, donc cultiste. Donc là, c'est cultiste qui redevient intéressant. Le problème de Janna 2, c'est qu'elle rentre pas trop, là, dans la compo. Bon, on va voir avec les acteurs. Ah oui, les choses qu'ils ont changé aussi, c'est que maintenant les Lucky Lanterns arrivent après le carousel, le chat. Et plus au début des runes. Et je pense que la seule raison, c'est que ça devenait ingérable quand on avait 5 objets plus Lucky Lantern en 4, en stage 4 par exemple. Ça, c'est pas mal en vrai ce qu'ils ont fait. Prendre Janna 2 gratuite, ça se prend ça, non? Non, ça. Mon prochain level, hein. Oula, alors. Est-ce que Blue Buff Blood, c'est bien?
Il a combien de mana? Il a 60 de mana. On peut faire... On peut jouer Morgana avec ça. Blad 3 sinon. Ou Vegar. je vais faire Blue Buff. Par contre, je suis pas sûr du reste là. Parce que Morello, malheureusement, ça s'applique pas sur beaucoup de personnes. Enlighted Siphoner. Bah ouais, c'est vrai que. Peut-être qu'on met ça là, hein. Il s'est pas heal là le Vlad. Je commence en heal. Il s'est pas heal là, what the fuck. Morello TF puis Morgana. En vrai, ça se tente. Je pense qu'on va faire ça d'ailleurs. Pa 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 la la. Bon, je suis assez gâté avec les rolls, mais faut choisir maintenant. Parce que là j'ai les 3 mages, là j'ai un vieux cultiste, et là j'ai Rakan 2 quoi. Mais c'est des champions qui vont pas très bien ensemble. Après, entre Rakan 2 et Elise 1 avec cultiste, je sais pas. Après, y'a ça quoi. J'aurais dû mettre celle-là. Annie là et Luludin. Mais en fait, à mon avis, il faut pas que Vlad tanque trop non plus. Il faut qu'il tanque un peu. Parce qu'il est vraiment chiant, Vladimir. Mais... Oh, il est vraiment chiant comme ça. Oh, ah, mais en fait, Vladimir en keeper, c'est un enfer à gérer. Ok, putain, mais en fait, j'ai le meilleur setup. Ton Vlad élu, j'aime pas le call. Mec, t'es sérieux? T'aimes pas Vlad élu? Regarde ce qu'il a fait. Top dégâts, 4500 de heal et 3200 de dégâts avec un blue buff. Comment tu peux dire ça, Lupux 1? Mec, t'es sérieux, c'est turbo broken. C'est juste que j'ai pas le bon setup pour l'instant autour de lui. Ça. C'est que ça, Annie sert pas à grand chose en fait, elle donne juste mage. Mais la question, c'est qu'avec Morgana, on a souvent envie de jouer de talon. Prendre Azus. Bah, si j'ai envie de talon, le truc c'est que là il faut du gear talon, j'en ai pas. Et je sais pas comment jouer Morgana, seulement Morgana carry. Parce qu'effectivement là, si j'ai Kalis, Blue Buff, Morello, Morgana est free. Mais... Oh, il est chiant. Le truc intuable, il heal tout le monde. Qui est-ce que c'est que cette merde? J'aurais pas dû acheter de l'année. En vrai, la game qu'on a. Pour ça, tu vois, on a jamais joué Vlad élu, on teste. Truc est validé. Alors, on a Spat Duelist, Spat Elderwood. À tout moment, Spat Elderwood avec un blue buff. Après, ça me là. Avec la tire, ça fait Kalis. Après, je peux prendre une BF. Ouais, je sécure la BF pour essayer de jouer talon. Au pire, ça peut faire plein de trucs. Sinon. C'était un goal. Sinon, il y avait quoi? C'était inattendu les Worlds Sito. Bah, ils nous avaient prévenu, mais pas. Ils avaient prévenu qu'il allait en avoir. On le savait, mais. Mais en fait, vu qu'il l'étale sur tout le set, 4.5, entre les qualifs des 4 semaines de qualifs, plus les qualifs des meilleurs joueurs d'Europe, plus les championnats du monde derrière, tu vois, genre, plus quelques jours de set. Oula, on peut changer ça. Ça, c'est huge quoi. Est-ce qu'on peut voir le nom des musiques? Alors, en fait, c'est une playlist YouTube là ici. Mais globalement, c'est un article qui s'appelle Tobu. Si tu veux savoir.
Tu tapes Tobu, alors plus maintenant, mais les 5-6 dernières musiques, c'était Tobu, quoi. Je me demande si j'aurais pas changé Elise et Vlad quand même. Regarde comme il est infernal, ce Vlad. En fait, il soigne pas beaucoup lui, mais il lit les autres, quoi. Et encore, il a pas d'AP, hein. C'est genre, c'est un Vegar sans AP, hein. What the fuck? Quel cauchemar! Non mais il se heal, il heal 3500! Et il fait 3k dégâts! Non attends, c'est énorme! Mais je pense que c'est parce que j'ai lu Lulu 2 aussi, hein. Je pense que c'est parce que j'ai lu Lulu 2 aussi, ça joue. Parce que Lulu 2 rend ce gars-là intuable. Et les gens n'ont pas de Sunfire, hein, ceux qu'on a rencontrés. Là, il y a pas de Sunfire. Je crois qu'il en cherche une depuis un moment. Bixin. Il a pas de Sunfire. Et il y a pas de Sunfire. Mais je pense que, ouais, en fait, vu les ratios de Vladimir, regardez, Vladimir a des giga ratios. 400, 600. C'est-à-dire que dès que tu lui donnes un peu d'AP, ça l'augmente, mais genre x 1000, quoi. Ah là, il y a même deux Sunfire. C'est peut-être plus chiant. Et Rakan Tempo, ouais. Ah mais c'est Lulu qui arrive beaucoup aussi, je crois. En fait, lorsque tu as des HP supplémentaires avec du heal, ça te donne plus de caisses pour encaisser. Les deux fonctionnent bien ensemble. Mon dieu, cette compo du démon. En plus, on met des tartes aux gens, hein. Ils prennent tous moins 10. Hein. Parce qu'il y a toujours 5-6 unités qui restent en vie. TF qui est top dégâts, Vladimir toujours deuxième. Incroyable. Dernier 3, Pogyu. Bon, pour l'instant, on a une free game Morello Morgana. Morello Blue Buff Morgana. Maintenant, il faut voir ce qu'on fait après. Tu fais comment pour l'endgame? Morgue, second carry? Morgue, principal carry, je pense, ici. Et après, juste, je connais pas. Donc, évidemment, avec Talon, c'est très facile et ça se force. Il faut juste que j'ai des objets. Et peut-être Kayle, du coup. Bah, bien. Merci, Jibomi. Merci pour les 1 an. Oh, la spatule. La Nico, ok. Pas mal aussi. L'IE de Talon. L'IE Runan de Talon. Oh, attends, RFC. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois RFC, QSS, Zeki et Sinon. Qui va être un cauchemar pour un joueur de Kayle. J'ai IE... Déjà, j'ai Zeke, du coup. Et maintenant, il faut choisir. RFC, IE, RFC, IE, RFC, IE. IE me paraît... On va plus jouer Talon, je pense. Ouais, le Talon, ouais, le Talon. Du coup, je vais faire un Zoro, peut-être, dedans. Bon, je sais pas si je fais Runan avec Talon, aussi. Je vais voir. Oula, ça a l'air de fortune, lui. Yeah. Balabalabala. Non, je vais faire Runan et Zroth. Je suis en train de réfléchir juste à mes autres options. Parce qu'après, c'est quand même assez gamble. Et RSC Talon, c'est vraiment pas très fort. Au moins, on reteste un peu le Runan. Et Zroth paraît ok, quoi. Surtout, ça a été buff, le Zroth. RFC Talon, c'est lourd. C'est un faux chat, ça, ou... Qu'est-ce qui s'est passé? La Runan a été nerf depuis un petit moment, mais bon, on teste. On teste des choses, pas grave. Là, on va sûrement top 4, assuré, mais peut-être qu'on fera pas top 1. Un faux chat, ok. On est face à Luo Yang, qui a déjà un 7. C'est pas si j'ai changé la position de mon Vladimir. Parce qu'il a un Zroth. Cette fois-ci, TF va pas mourir trop vite. Donc il y a eu pas mal de changements sur le PBE avec des buffs et des nerfs. Ça, on en parlera tranquillou à partir de la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste on va bien jouer. Et on va regarder aussi les informations pour les Worlds, ceux qui sont pas au courant. On le fera vers midi.
après, on l'a bien touché quand même. On a eu TF2 assez early. On a eu Lulu très très early. On a refusé Yasuo. On avait le choix entre Rakan 2, Jarvan 2 et tout, Nunu. Le Vladimir nous a donné Elise. Elise nous a donné Rakan. Rakan nous a donné Veigar. Et on a eu Janna 2 gratuitement. Qui nous a ouvert Morgana talent. Qu'on va forcer complètement. Et là, on va attendre encore. Du coup, là, il me faudrait. Partons du principe qu'on veut toujours jouer avec un talon carry. Une BF. Ou un gant. Ou un arc. En fait, il y a beaucoup de champions qui passent le cap. Il y a beaucoup de 3 cos, il y a beaucoup de brawlers énervés. Peut-être qu'en vrai, il y aura Darius 3. Peut-être que GS est pas mal dans ce lobby. Peut-être que GS est pas mal dans ce lobby. Je pense que c'est un arc, 2 BF, 3 gants. Est-ce qu'on peut aussi avoir une Lucky Lantern, n'oubliez pas, en 4-5. Merci Knakado pour le Prime. Bienvenue à toi, my dude. Et merci Ziax pour la donation. Avec le copypasta. C'est une bien belle journée qui commence. Non, mais je l'ai vu, votre copypasta. Il tient plus maintenant, c'est bon. Ça ne marche plus. Tu vois comment ta compo finale Talon Morgana, Shen, Yone, Irelia. Et après, on verra. Bon, un grand single, énorme. C'est comme la compo qu'on connaît. Talon Pike, si Morgana est élu ou pas, si Talon est élu ou pas, si Shen est élu ou pas, et tout comme ça. Mais là, on va jouer chill, on a le temps encore. Je pense que je vais rentrer. Ah, il y a une Lucky Lantern, tiens. Et ça nous donne Last Whisper. Ah, Reforger, ça m'intéresse pas par contre. Ah, mais Last Whisper, c'est vraiment bien, mais je peux pas le caler. Mais moi j'aurai un Last Whisper, IE, Runan, Talon. Oh merde! Oh, j'ai appuyé une fois de trop. On va rentrer juste à 7, je pense. Je vais pas faire l'économie. On va attendre. C'est quoi Reforger? Reforger, c'est. Bah, c'est un peu de la merde pour le coup, mais. C'est. En gros, si tu mets Reforger sur un champion, il perd tous ses objets. Et il en redonne des nouveaux. C'est si genre t'as des objets très early, par exemple Static, Sunfire. Oh non, il a failli casse sur un Maokai. C'est des objets très early game. C'est vachement bien quoi. Par exemple, le Zrot est devenu pas mauvais, donc c'est pour ça que le Reforge, je vois pas non plus. Il me plaît pas trop. Il va falloir vendre des milliards de trucs hein, parce que j'ai même pas un seul champion de ma compo. J'ai pas une Irelia, c'est ça qui fait un peu peur. Je pars de très très loin. T'as Janna, oui, c'est vrai qu'il y a Janna, mais bon, c'est clairement pas la plus importante hein. Parce que même Janna, on peut s'en passer à moitié. Oulala là là. Allez, faut tenir face à ce Tryndamere de folie. Ça a été buff Tryndamere aussi. C'est devenu vraiment pas dégueu. Là, il s'est fait bien cesser. Il a. Oh putain, gros. Oh 10k Olaf 1, 7k Trinda 2. Putain, 6 Slayer ça ouais. Ok, Morgana it is. Comment ça fait un ou deux rolls, je pense. Bon, je pense qu'on lui met tout. Hein. Je pense que j'ai vraiment joué avec ça, talent. C'est très bien. Attends. J'ai pas talon par contre. Merde. Là j'aurais pas le temps de faire tout ça.
Non. Attends, 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 attends. Parce que j'ai un loquette aussi, je crois. On va mettre le loquette, je pense, quand même. Il me plaît bien. C'est qui, là? Yu Shen. Ok. Samira, en place bien. T'inquiète, my boy Trindamer. Trindamer sans rien. Après, on a aussi Early Michel. Non, il rentre pas. Talon. Parce que là, on va jouer 4 Sifo. Putain, j'ai Trindamer 2, là. Pas rentré. Faut que j'ai Enlighten. On a Zilean par contre. Bon, en vrai, vas-y. Fais ta life, mon frérot. Il y en a toujours un Rakan. Il sert à rien. Mon Trindamer, il est pas mauvais, mais. Il n'y a pas Slayer. Après bon, ça se revend gratuitement. C'est tellement cheaté Morgana, c'est un délire. Parce que Morgana, vraiment, elle met une flaque et détruit tout le monde. Quoi. Alors, j'ai envie de garder les 4 Siphonneurs. Comme ça, on teste aussi. Donc 24 Siphonneurs, c'est que tout le monde se heal de 25% des dégâts qu'ils infligent. Et les Siphonneurs se heal de 100%. Donc peut-être Morgana Front devrait être bien ici. On peut lâcher un ou deux rolls. En vrai, c'est Trinda qui carry. C'est vrai que c'est Trinda qui carry, hein, c'est ouf. Hein. Mais c'est fort, Trindamer. Hein. Moi, je l'ai toujours dit et ils l'ont buff. Donc, Puis là, on a un random Lee Sin qui est apparu. Et c'est toujours lui qui sert à rien. Bien. Mais les reforges, j'en ai pas besoin parce que mes items sont bien. C'est pour ça que c'est dommage d'avoir. D'avoir ça. Mais là, j'étais 8k par fight, hein, Trinda. Après, le truc, c'est qu'il me faut tous les autres level 2. Mais... Faut que je retrouve un Vladimir à la place de Yasu. Je suis sad de voir sur Rust, mais je suis très heureux de voir Tryhard. Ouais, exactement. Bah, je suis pareil que toi, si tu veux savoir. J'avais très très envie de continuer Rust, mais. Riot en a décidé autrement. On a un Kalis. Je pense que c'est vraiment bien dans mon setup. Après, il y a Swain 2 avec Zephyr. Allez. Je vais roll un peu, donc je pense qu'il faut virer Trindamer quand même. Et rentrer 4 Divin. 4 Enlighten, pardon. Nice. Il faut trouver un assassin aussi, non? Ah, mais c'est vrai qu'il est... Ah mais je peux pas remplacer par un truc level 1. C'est un peu dommage en vrai. Non, pis... Moi je chaîne 2 parce que chaîne il a un locket. Riot a dit quoi? Riot a dit qu'il est championnat du monde. Oula, qu'est-ce qui se passe dans le chat là? En vrai, Trindamer est vraiment pas dégueu. Mais attends, mais Trindamer est pas dégueu, hein. Mais pourquoi Trindamer fait un taf comme ça? J'aurais pas Morgana 3. Attends! Avec les Siphonneurs, il régène, bah ouais. Hein. En fait, on lui a donné Slayer avec ça.
Après, il est vraiment glass cannon, quoi. Il a pas un anti-CC, hein. Putain, j'ai l'impression de voir les Tryndamere de late game sur LoL. Fiora est mieux que Lee Sin ? Non. Nice. Putain, mais j'ai l'impression que je vais même pas avoir besoin de jouer le talon, hein. Oh, QSS. Non, mais en vrai... Reforge Swain. Pourquoi c'est trop bien Zephyr en late, non? Je pense qu'en QSS Swain et... Non? On peut jouer beau jeu, quoi, mais... Tu vois, genre, en fait, ils ont des frontlines assez chiantes devant. QSS Morgana. Ok. Non, mais en vrai, je sais pas, hein, je vais juste rentrer talon hardcore, mais. C'est parce que là, ici, il faut Zilean et il faut Yone, quoi, pour finir la game. Et du coup, on joue pas talon, mais je m'y attendais pas du tout, du coup. Stream d'amère de tempo qui, en fait, détruit tout. Ça, je saurais, quoi, mais... Oh, sur le Gangan, il a Runan GS, quoi. Ça, c'est vraiment pas de bol, hein. Oh, le Z qui meurt pas en HP. Le Z qui meurt pas en HP. Lui, c'est le mec qui a forcé, entre guillemets, fortune... En early, il avait rien du tout sur le banc, il a trouvé Darius et lui. Et il a tourné. Non, mais lui, je joue pas Sakari, hein. Talon 2 over Tryndamere. Je me souviens plus dans le match-up Talon versus Z sur le 7-4. Qui est-ce qui gagne généralement? Maintenant qu'il y a plus Shade. Parce que Talon focus très très vite Z. Maintenant qu'il a 20 d'armure. Sans Shade, c'est Talon qui gagne. Bon, là on arrive au level. Ouais, j'avoue que je fais pas attention à mon défi. Faudrait que j'aille fort. Allez, Shen Ulti. Nice. Morgana est morte beaucoup trop vite. Oh, Morgana s'est fait éclater par cette Kayle. Pourquoi elle a mis 11k dégâts comme ça? 11k dégâts? Ah, dommage. Ça a l'air d'être un peu coin flip quand même, Tryndamere, je sais que... Peut-être adepte du coup. Finalement, c'est pas trop mal la combinaison Tryndamere-Morgana parce que Morgana enlève toute la... Enfin, pas toute, mais enlève pas mal de résistance, c'est combien? 40% de l'AMR et 40% de l'AD. Après, c'est vrai que moi, j'ai les champions AD, donc l'AMR, on s'en fout. Oh, y'a un Zeke, putain, ça dégoûte. Faut que je lui deny. Ok. Ah, il y en a déjà 3. Ok. Je me disais, putain, ça va trop bien pour lui. Bon, on devait dire que Talon viendra jamais, mais je pense qu'il faut le gamble. Contre lui. Sinon, je gagne pas. Oh là, je jure. Merde. Je saurais pas mettre les équipes. Parce qu'il faut absolument que Talon essaye d'aller sur le Z, mais... Laisse tomber.
Bon, Trinamère aurait pas fait mieux dans tous les cas. Lui, je le battais jamais depuis tout à l'heure. Ah, le Z triple ZK RFC QSS quand j'ai la dev, c'est pas facile. Bébé! Ça va, top 2. Ah, il a pas eu le temps de s'exprimer, le talon. Comme quoi, lui, il a forcé fortune, il a quand même réussi à faire une bonne game. Hein. Fallait switch sur Camira. Ça marche, coach. Coach Polochon.